Bah, désolé, hein. Moi, je pensais que j'allais être millionnaire aujourd'hui. Désacraliser le monde des enchères et de l'expertise, c'est l'objectif que se sont fixés les experts de la maison Milan. Tous les mois, Daniel, Caroline ou Fabien consacrent deux journées aux Toulousains. Bijoux, grand cru, philatélie, chacun est expert dans son domaine et le conseil reste gratuit. Quand c'est un album comprenant beaucoup de pays, dans les années 60, on a vraiment aucune... La probabilité de trouver des choses intéressantes est infime. Pour avoir une collection intéressante, il faut que ce soit une collection homogène. Si dans 9 cas sur 10, les albums ne méritent pas un passage en salle des ventes, côté joaillerie, les trouvailles sont plus exaltantes. Bagues de l'époque des Templiers, héritage familial, bijoux aujourd'hui désuets, chaque objet a sa propre histoire. C'est un échange, donc chaque personne donne un bien qui lui est cher, puisqu'il y a quand même une dimension... assez intime avec le bijou, donc une histoire différente. Et mon rôle, c'est aussi d'essayer de mieux comprendre ce bijou pour pouvoir donner donc un prix. Il faut essayer de comprendre l'objet, savoir pourquoi il était fabriqué, avec quelle matière, l'usage. Il y a des bijoux qu'on a oubliés, qui ne se portent plus. Les prochaines expertises toulousaines auront lieu en novembre à l'Hôtel des Consuls, l'occasion peut-être de pénétrer dans un univers pas si fermé.